Hello there. My name is Agent Name, and I'm one of your local l'agence immobilière quoi, pour le client de cet endroit. Oh, je suis content de te rencontrer. Merci à tous de faire partie de notre programme de test alpha. Pour la première fois, nous avons rendu le processus d'achat de maison le plus facile au monde en vous apportant ces expériences de visite de maison, tout votre confort personnel sur vos appareils digitaux. C'est l'achat de maison révolutionnaire du 21e siècle. À travers une sorte de combinaison de petites caméras drones et de milliers d'images fixes, nous pouvons maintenant scanner et recréer un environnement en 3D totalement explorable. Comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes désormais dans une visite de maison, tous ensemble. Vous et moi, nous allons acheter une maison que j'ai pu commencer à prévoir grâce à votre YouTube money que vous me donnez à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos. Vous savez, la petite pub que vous regardez au début, la petite sponsor qui passe de temps en temps. Nous sommes dans une maison, maintenant je vais devoir regarder un peu les informations. Les live chat n'est pas activé, mais j'ai pu avoir les détails. Cette entrée... Ah, un look moderne et spacieux, avec un énorme toit, enfin un toit très profond. Il y a aussi une toilette pour les invités, juste dans le couloir. Ah, mais dis donc, c'est plutôt parfait, j'ai envie de vous dire. Ça me plaît énormément, tout ceci. Alors, je peux rentrer dans la cuisine et pouvoir visiter un petit peu. Pourquoi il y a une pelle dans la cour, d'ailleurs? Est-ce que je peux avoir un overview? Oh, je peux voir en fait à quoi ressemble la maison. Attendez, faut que j'enlève deux secondes la caméra. 385 000 $ et c'était au 615 Hollow Lake, Oak Lane. Ce petit salon, très confortable, reçoit énormément de lumière naturelle pendant la journée. Et bien sûr, la cheminée en briques rajoute cette touche de chaleur parfaite lors de vos hivers très froids. Oh, très bien. Je vous avouerai que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un hiver très froid habitant à La Réunion. Là où j'habite actuellement, l'hiver n'est jamais froid. L'hiver est toujours chaud. Vous savez, 25 degrés en hiver. C'est pas une température excessivement froide, je dirais. La petite chambre à coucher. Ok. Il se passe des trucs bizarres dans cette maison. Il y avait des choses au sol, peut-être. Est-ce que j'ai des choses à cliquer, en vrai? M'aurait-on caché la vérité? Ce ne serait pas une visite de maison traditionnelle? Mais moi, je pensais que j'allais acheter une maison! On va aller dans la chambre des invités. Je vous avouerai que je crois que j'ai déjà visité cette maison. Dans un autre jeu, en vrai. Ne le regarde pas. Ne regarde pas quoi? Oh, attends, regardez pas quoi. Moi, je visite une maison, moi, je sais pas du tout de quoi tu veux dire, hein. Alors, tu te calmes. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des marques de griffures sur le mur. Oh, boy. J'ai entendu quelque chose s'ouvrir. Je ne sais pas où. Ceci ressemble étrange... Oh, oh. J'ai oublié de remettre la caméra, bordel de merde. Oh bordel, j'ai eu peur du mec dans le placard. Je vous avouerai que je m'attendais pas à ça. J'avoue que j'ai pas visité les toilettes qui étaient juste ici en fait. Oh. Il y a du sang dans le lavabo. Blood. Il se passe des trucs quelque part ailleurs, je ne sais pas où. On va donc commencer à avancer un peu plus rapidement, éventuellement. Je crois qu'il y a une porte ici. Moi, je vois la pelle qui est derrière, ça m'inquiète un petit peu. Oh, le garage. Le garage, très grand. Un grand garage avec beaucoup de place pour deux voitures qui pourraient être converties en un espace personnel si jamais vous le vouliez. Mec, mais ce serait juste énorme en vrai. Ce garage me permettrait en fait de pouvoir faire les choses que je voudrais. Wait.
les gens. Pourquoi mon menu, il est en bas, genre... Oh oh. Les gens m'ont... Laisse-moi tranquille! Je veux rien t'acheter! Sors d'ici! Sors d'ici! Non! Je veux pas te voir! Je veux pas te voir! Laisse-moi tranquille! Viens pas au milieu! Non! Laisse-moi tranquille! J'ai rien demandé, moi! Il m'empêche d'avancer! Ah! Oh, je crois que mon ordinateur, il est un petit peu mou. Avalab scan dans une heure. Ok, data corrupted. Merde! Unity qui se relance. Oh boy. Les gens, je crois qu'il y a un petit souci. Je crois que je n'achèterai pas de maison aujourd'hui. Parce que pour une raison obscure, il semblerait que quelque chose m'en empêche. Il y a du sang partout. Je pense pas que c'est une bonne maison en vrai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que concrètement, je pense que je ne vais pas acheter cette maison. Je ne vais pas investir 300 000 dollars dans une maison où il y a eu un meurtre précédemment. C'est pas spécialement... Oh boy. Oh mais il est pas tout seul. Il y a le diable avec lui. Et il a l'air content. Il a tué des gens. Du coup, je fais quoi, moi, concrètement? Ah mais non, tu peux pas bouger. Écoutez, c'est une photo. Ça suffit. Comme il me regarde, c'est trop creepy. Damn boy. Debug mode. Use arrow key to position. Ah ben maintenant je joue comme un vrai jeu. Please, rescan second floor. Ok. Donc en fait le jeu veut que je remonte au deuxième étage. Très bien. On va aller au deuxième étage. On va essayer de voir ce qui s'y cache. Hein. Je vous avouerai que je suis pas du tout rassuré du plus. Mais on va scanner. Hein. Live feed. Hein. Scannons. Scan complete 4 sur 4. Très bien. Ok. Et maintenant, est-ce que je peux aller ici? Saving and compiling. Ok, ça compile. Bah, c'était juste un petit bug, les amis. En fait, ça va revenir. Hein. On va voir si je peux... Ah non, il y a encore une erreur. Scan dimension. Mince, alors. Erreur inconsistante. Please, rescan master bedroom. Bah, je suis devant, t'inquiète. Je vais rescanner la master bedroom. Oh bah non, la master bedroom, elle est cassée. Je suis désolé, hein, monsieur l'ordinateur. La compilation va pas pouvoir se faire. Hein. C'est quoi, ça? Oh, c'est quelqu'un qui crie avec un fond rouge. Je veux dire, il n'y a pas de soucis. La majorité miniature ressemble à ça. Et il a compris le YouTube game, tout simplement. J'ai pas besoin d'expliquer comment ça marche. Hein. Donc ça, c'est cool. J'ai eu peur de ça. Legit. Ouais, mais j'aime pas qu'on casse des trucs. Moi, ça me fait toujours peur. Déjà, quand tu fais une miniature YouTube, essaye de faire une miniature YouTube différente pour chaque vidéo. Fais pas la même. À la limite, je suis coupable. Je suis coupable de, des fois, remettre ma tête. Des fois, je reprends des vieilles photos, je remets ma tête sur les miniatures. Je suis coupable. Coupable. Mais ce que je fais, c'est que je change l'angle. Je change le côté, je change le sens, je grossis la photo. Une photo, je peux l'utiliser au moins 5-6 fois différentes sur plusieurs miniatures, tu vois. Comme ça, en fait, j'économise un peu de grimaces. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, un homme ne suffit pas pour avoir autant de grimaces dans la vie. Si je fais des grimaces à chaque vidéo, je m'en sors plus. J'aurai une crampe du visage, littéralement. Et là, ce serait complètement désagréable pour vous et pour moi. Je tourne littéralement en rond, en vrai. Je tourne littéralement en rond. Donc, je vous avouerai que je ne sais pas ce que je devrais faire. Peut-être que... Est-ce que je devrais aller dans l'autre sens? Vous savez, cette logique du jeu vidéo. Parfois, en fait, c'est compliqué parce que certains veulent qu'on aille... Il m'a fait peur. Bravo. Bien joué. Tu as réussi. Ah, j'étais très ironique au début. Et maintenant, j'ai littéralement eu peur. J'ai sursauté. J'ai eu des frissons sur tout le bras. Bravo. Ah, peut-être que faut que j'aille le voir, en vrai. Mais ce gars, mais te casse pas. Reviens me voir. Je suis... Oh, bah tiens. J'aime bien, il est apparu devant moi en mode avec un petit pouce, en mode, hey, pouce bleu, hey, vas-y. Il montre l'exemple, les enfants. Les enfants, je vous appelle les enfants maintenant. Voilà, je suis officiellement vieux, les gens. Je suis officiellement vieux. Maintenant, je vous appelle les enfants. Comment ça, System Pwn Hit Character? Quand il dit que System Pwn Hit Character, est-ce qu'il parle en fait du carrément, littéralement, du personnage de Hit dans
Le film... Non. 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 Il va pas mettre un clown dans ce... Non. Il y aura pas un clown quand même. Et attends. Les coordonnées bougent en fonction de ce que je fais. Est-ce que je dois aller à des coordonnées spéciales? Vous avouez que je ne sais pas trop. Du coup, là, parce que là, je vais... Je peux pas courir, moi, c'est pas juste, hein. Je peux me retourner? Non, c'est bon, y'a rien. Ils ont pas le droit de mettre des gens qui font des bruits bizarres dans mon dos alors que j'ai pas le droit de courir. Element missing. Oh boy. Oh boy. Alors là le jeu, je crois que... La visite, je vous avouerai que là, la visite, elle est un petit peu annulée, les amis. C'est pas aujourd'hui que j'achèterai ma nouvelle maison. Damn. J'étais persuadé que j'allais pouvoir le faire, en plus. Tu sais, j'avais déjà commencé à préparer, j'avais préparé la place pour le petit chien, la chambre d'amis pour Tico et Tib, et Ikari, bien évidemment. On aurait créé la gaming house, j'aurais un petit coin setup et tout. Monsieur, je veux sortir d'ici. Press tab to change caméra. Alors, ça marche, ça? Yay, babe, yo! Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Il y a des spaghettis sur les murs. Il y a des spaghettis bolognaise sur les murs. Je suis dans le monde des spaghettis. Je suis dans le monde des étudiants, les amis. Bonjour, je suis étudiant. Et mon monde n'est que des pâtes. Mon monde est fait de pâtes. Je mange pâtes du matin au soir, midi, soir, à 4h. Au petit déjeuner. Les pâtes, c'est ma vie. Life is pasta. Pasta is my life. Ah, oh, j'ai retrouvé mon menu. Ah, cool. Est-ce que je peux utiliser le menu maintenant? Make offer. Je vais acheter la maison maintenant. Eh, je pense que je vais la payer super cher. The open house. Eh, je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était assez spécial comme expérience. Assez bien barré, je trouve. Et totalement inattendu. Et ça, je trouve génial. Mais en même temps, quand tu trouves le jeu dans la catégorie horreur de itch.io, tu dis, bon, bah, c'est peut-être un jeu d'horreur, hein, c'est pas forcément... Il y a sûrement quelque chose, tu vois, derrière. Non, mais c'était cool. En tout cas, le vent est très fort dans ce jeu. Hein. L'offrande, c'est Seros. Je t'avouerai que je m'attendais pas à voir mon nom. Là, tout de suite, là, sur... L'offre est acceptée. Ah bah écoute, expectez un appel bientôt. Je te dirais que j'attends vraiment pas d'appel de